Vous savez, moi je suis un humain normal, qui se pose des questions normales. Comme par exemple, qu'est-ce que ça fait quand, lorsqu'une voiture est à plusieurs de dizaines de mètres du sol, bah qu'est-ce que ça fait quand on met un gigantesque, mais genre vraiment un gigantesque trampoline au-dessus? Voilà, c'est une vraie question que je me pose, et bah vous savez quoi, on va regarder ça tout de suite. Mais ça... Mais il est trop résistant par contre. Ah, il va me l'abîmer. Il va me l'abîmer. Mais alors, je suis désolé. Ça amortit complètement la chute sans trop se faire défoncer. Mais c'est génial. Hey les gars, ça va, c'est Energy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'avais encore plein de choses à tester sur BMG Drive, notamment cet excellent trampoline. Là, on vient de tester avec une voiture. Bon, après, elle était peut-être pas si haute que ça. Juste petit rappel, elle était à cette hauteur au début. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut ralentir? Ah ouais, what? On a arraché les ressorts là, je crois. Ah oui, là, on a arraché les ressorts d'un côté. Ah oui, ok. En vrai, ouais, le trampoline résiste bien à une voiture. Ce que je peux comprendre. Mais imaginons maintenant, on va le réparer. Voilà. Imaginons maintenant, on fait ça. Et on remplace cette voiture. On va monter un petit peu en gamme par un tracteur. Bah oui, un petit 1455. Rien de bien méchant. Mais un truc sympa, tu vois. Genre, on fait remplacer. Voilà. On attend qu'il charge bien. Et on essaye. Là, ça devrait être autre chose. Là, on va ralentir un petit peu le temps. On va ralentir un petit peu le temps. Oh! Mais il a complètement absorbé. Mais c'est incroyable. Non, mais sérieusement, le trampoline est comme neuf. Mais regardez-moi ça. Bon, oui, ok. On l'a peut-être un peu tordu, tu vois. Mais en même temps, il vient de se prendre 15 tonnes dans la gueule. Enfin, 15 tonnes multipliées par la vitesse, donc genre 200 tonnes, tu vois. Mais il a trop bien résisté. Ok, non mais d'accord. Celui-là, ok, je veux bien comprendre parce que c'est un petit tracteur. On va passer au level supérieur maintenant. Un Kasiach Magnum, mais avec des roues jumelées. On va maximiser le poids et même la largeur, comme ça il va vraiment prendre tout le trampoline et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'en vrai, il va résister aussi. J'imagine. Vous savez quoi d'ailleurs, on va même ralentir le temps et on va se mettre en vue plutôt troisième personne. Regardez, il tombe. Là, on dirait pas, mais il tombe à une vitesse phénoménale. Là, c'est parce que j'ai ralenti le temps en x8. Mais regardez la réception. Oh! Non mais c'est incroyable. Bon, à part qu'on l'a plié sur la fin. Il a genre zéro problème. Par contre, le tracteur, lui. Oh, la crêpe. Mais what? Non mais il est d'une résistance, ce trampoline. Tous les ressorts sont tellement solidaires en fait que ça absorbe le choc. Allez, on va essayer avec encore plus lourd. The Moisson Jeune Dire, les amis. On la connaît, on l'a essayé dans plein de conditions. Et dans très peu de conditions, elle a fini aplatie comme une crêpe. Hein. On avait trouvé que juste 2-3 ennemis qui pouvaient la détruire. Cette fois, on va voir si le trampoline peut résister à sans doute l'un des véhicules les plus lourds, même si j'en ai encore un petit peu sous le pied. C'est parti. On est en temps réel. Regardez la vitesse qu'on prend. On va ralentir le temps. Juste le temps que je switch, que je me mette comme ça. Hop. Regardons. Quoi? Elle l'emmène? Ah oui, il abuse! Mais regardez, il a rien. Non mais attendez, on va la... J'exige qu'on la rejoue. Je veux voir un truc, je vais me mettre en dessous. Je veux voir si en fait, si tu veux, elle est tellement lourde qu'elle touche le sol. Je pense qu'elle touche le sol à travers le trampoline. Regardons. Ah ouais, hein? C'est ça qui lui fait des dégâts en fait. What the fuck? Pour moi, le bois, c'est plus lourd qu'une moissonneuse, tu vois, tellement il y a du bois que ça doit, genre, ajouter un poids fou. Donc, on va tester ça. Mais perso, j'y crois, hein. Ah non, en fait. On l'a abîmé. Mais on peut pas dire qu'on l'a... En fait, je pense qu'on peut pas le traverser, hein. J'ai un dernier prétendant. Le gros souci de ce véhicule... C'est principalement qu'il est immense, en fait. Et je pense que c'est grâce à ça qu'il va réussir à littéralement démolir le trampoline. C'est parce qu'il va le démolir sur les côtés, vu qu'il est trop large. Alors, on va se mettre déjà prêt à la réception. Est-ce qu'il est en dessous, déjà? On va bien voir. Allez, deux fois plus lent que le real time.
Ok, ok, les amis. Ah, je sais. Je sais. Anti, c'est. Ah, je sais. Ouais, si, 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 si. Oh, le boucan. Regardez, y a un bout du véhicule qui est parti tout là-bas. Tout là-bas. What the fuck. Alors, attendez. On va supprimer. Et on va regarder l'état du trampoline. Eh ben, en vrai, pour moi, on l'a eu. Même si, bon, la bâche est toujours là, elle est présente. On a eu le reste, pour moi on l'a eu, on a trouvé comment le détruire. J'ai trouvé un autre truc marrant à tester. C'est un immense, mais genre immense matelas d'air. Hein. C'est genre 4 fois plus grand que le trampoline géant, genre littéralement. Et je me demande si ça peut vraiment retenir un véhicule sans le casser, tu vois. Et si on peut l'exploser d'ailleurs, parce que regardez, genre c'est vraiment énorme. Hein. C'est immense, le truc il fait la taille d'un arbre, quoi, genre même en hauteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à son centre, on va prendre de l'altitude. Tranquillement, on va peut-être pas trop prendre d'altitude non plus. Et ce qu'on va tout simplement faire, c'est prendre... On va commencer avec une voiture déjà. On va commencer avec une voiture de tout ce qu'il y a de plus basique. Comme par exemple, voilà, la Ibitu Corvette qui fera très bien l'affaire. Ok. En vrai, je suis sûr que si t'es dans la voiture, t'es pas trop dans la merde, tu vois. En vrai. Bon, attends, comment on a la vue intérieure? Ouais, bah tu vois, le toit est pas complètement défoncé. Le matelas d'air a bien amorti la chute. Maintenant, on va essayer avec plus lourd, évidemment. Comme notamment cet excellent Massey Ferguson. C'est parti. On va même ralentir un petit peu le temps cette fois. On va attendre qu'il... Ah ouais, j'aime... Vu qu'il va dans ce sens-là, je pense qu'il va se faire éclater. Oh, quoique, regardez. Ah si, il touche le sol, hein. Il touche le sol. Mais en vrai, regardez, ça va, hein. Non mais franchement, il marche encore, je suis sûr. Il marche encore. Le moteur fonctionne encore. Bon, par contre, on est un peu secoué. Regardez la vue intérieure. Ah oui. Oui, on est... Le nez s'est fait full écraser. Mais en vrai, ça a quand même amorti énormément le choc. Hein. Ne perdons pas plus de temps. Nous savons très bien, tous les deux, ce que tu attends. C'est que je le fasse avec le Bélaz. Mais là, le problème, c'est que le Bélaz, je pense, il va tomber à côté. On va tester. What? Que ce... Quoi ? Que s'est-il passé ? Donc en fait, il s'est directement décomposé. Genre, il n'y a pas assez d'air. En fait... Oh, regarde ! Maintenant que l'air est compressé d'un côté. Maintenant que l'air est compressé d'un côté. Tu sais ce qu'on va faire ? On va se mettre à son niveau. Et on va en amener un autre. Pour voir si ça va propulser l'autre en l'air. Oh ! Ça, c'est l'idée du siècle, les gars. Ça, c'est l'idée du siècle. Attendez, je me place bien quand même. Je me place bien au centre. Ok. On va dans les véhicules. On reprend... Le même, exactement le même. Ici, on fait créer nouveau. Ça va le faire ? Ça va le faire ? Attention. Attention, les amis. Attention ! Regardez-le, il va se faire projeter ! Oh, je suis très déçu. Mais tant mieux ! Parce que de ce côté-ci, il y a encore plus d'air ! Et ça nous permet de pouvoir recommencer ! Donc ce que je fais, c'est que je prends deux... Attends, on met en temps réel. On met en temps réel. Je prends de l'altitude. Je me prépare à taper sur le coin où il y a le plus d'air. Avec exactement le même véhicule. Même peut-être un véhicule un petit peu plus léger avec un masset. Crée un nouveau. Allez. Allez mon petit. Allez mon petit. Ah, il va tomber à côté, je crois. Oh non, je crois qu'il va tomber à côté. Quoique, quoique. Oh là là, ouais, si, il termine comme une crêpe, hein. Il termine quand même comme une crêpe, mais tu vois, vu que l'air est full gonflé de ce côté et que les véhicules sont beaucoup trop lourds, et ben ça l'enfonce et ça le fait repartir direct. Là où avant, il s'enfonçait, il restait dedans. C'est quand même pas mal, ça fait une petite catapulte, quoi. Je viens de découvrir une map sympa qui s'appelle The Big Jump. J'espère qu'elle porte bien son nom, mais apparemment, elle porte bien son nom. On va voir ensemble. J'ai déjà testé de prendre la rampe. Une fois, il faut y aller très très lentement. Mais genre, très très lentement. Parce que tu vas voir... Tu freines, là, tu freines pour garder l'adhérence. Et là, tu constates. Tu constates le problème qu'on a. C'est que genre... genre, bah oui. Fallait s'en douter. Ouais, par contre, j'accélérais plus. Oh, mais y a pas besoin d'accélérer. De toute façon, c'est juste la vitesse. J'accélérais même pas et je suis à 300. Et genre là, normalement,
On tape la cible. Et y a moyen ? Et y a moyen ? Ah non, trop loin. Aïe ! Ouf. Eh, encore, il y a de l'eau pour amortir. Hein. Sinon, on serait pas dans la merde. C'est stylé, les bruitages dans l'eau. Mais du coup, j'ai envie d'essayer ça avec un tracteur, évidemment. Et pour cet exercice, quoi de mieux que l'excellent 1455 version crazy qui ne sert pas avant de prendre 150 km/h. Vous voyez l'accélération de fou. Bon, par contre, on va clairement se calmer. Parce que pour pas qu'il tombe à la renverse, va falloir être très, très lent. Genre, très, très lent. Parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc aussi raide dès le début. Oui, oui, oui! Let's go! Qu'est-ce que fait la caméra? Ok, on le fait. On le fait. En fait, faut pas appuyer sur l'accélérateur, je crois. Comme ça, il reste en roue libre. On est en train de prendre 250 avec un 1455, les gars. Je crois qu'on a jamais été aussi vite. Non, j'aurais pas dû tourner. Allez, allez, come on, come on. Oh non, il a tout perdu dans la montée. C'est ridicule, quel dommage. Quel dommage. Il va s'éclater la vente. Ouais, c'était sûr ça. Hop, dans l'eau. Ah, quel dommage. Ah, il a freiné après dans la montée. On n'aurait pas atteint la cible, peut-être avec un camion. Et évidemment, quand je parle d'un camion, je parle de notre camion, celui qu'on aurait l'habitude de voir dans Déforestation Totale. Parce qu'en plus, le bois va faire un effet de poussée dans la descente. On va voir si ça va bien fonctionner. J'espère qu'il va pas tomber à la renverse. Mais vu que le bois est à l'arrière, je pense que ça va bien aider. Allez, doucement, 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 doucement. Parfait, parfait. Let's go. Ah non, faut pas accélérer ça. Non, si, si. Ah non, ça freine d'accélérer, j'ai l'impression. Hein. Ok, bon, là au moins on peut plus. Ok, 300. 340. Ok, on montera pas plus haut. Mais ça peut suffire, mais ça peut suffire. Il est pas freiné dans la montée. Oh putain, mais là on va aller carrément plus loin. Mais là on va... Ah non, j'ai rien dit. Ah si, ah si, 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 on va aller carrément plus loin. Et là, regardez l'impact. Au ralenti. L'impact va faire très mal. On est à 16 fois plus lent que le temps réel. 8 fois. Oh. Et je crois que je l'avais jamais vu prendre autant de tarifs. What the fuck. C'était le meilleur véhicule, ça me donne une petite idée. Oui, ça fait un boucan pas possible, c'est peut-être pour l'idée du siècle. Mais je me dis qu'avec le poids, il peut avoir une poussée légendaire et que ça peut être incroyable. Avec Page Up, on peut... Ah ouais, on peut lever la benne. Oh, pourrait être marrant ça de faire des tests de physique avec ça. On verra. Oh, ça me donne presque des idées, mais on verra. Il fait un boucan... C'est quoi ce sèche-cheveux? C'est un moteur ou un sèche-cheveux qu'ils ont mis là-dedans? Non mais sérieusement. Non mais ça avance à rien par contre. Le moteur va serrer dès que je vais appuyer sur Z en fait. Allez, on tombe pas à la renverse. 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 On tombe. Ok, pas mal. Pas mal. Le moteur a serré. On va très vite là. On va très très vite là. 350. 380. Let's go, let's go. On va sur la lune. On va juste sur la lune en fait. On va aller sur le chemin. Je te jure, on va aller sur le chemin. Oh, incroyable. Aïe. Là, c'est 100 fois plus lent, les amis. Et on avance encore. Hein. C'est-à-dire si on va très vite. 370 km/h, 16 fois plus lent, 8 fois plus lent. Oh, il se rétame complet. Et on aurait été hyper loin, là. En fait, plus le véhicule est lourd, plus on va loin, j'ai l'impression. Avec le bus à nanar. Tu sais, le fameux bus à nanar qui ne se retournera pas parce qu'il a une lame à l'avant exprès pour l'aérodynamisme. Mais en plus de ça, il dispose de la technologie propulseur qui va nous permettre d'aller directement sur la Lune, mon pote. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 mon pote. On va aller directement sur la Lune. Donc là, on va juste tranquillement prendre... Le problème, c'est qu'en fait, vu que les roues sont assez éloignées entre l'avant et l'arrière sur un bus, c'est qu'il faut pas rester bloqué dans le milieu comme là, par exemple. Voilà. C'est parfait parce que c'est pile ce que je voulais pas faire. Les pneus qui ponce le truc. Alors du coup, non, on va éviter. C'est quoi la touche pour le hover? Ok, j'ai trouvé. Ok, je me rappelais plus. Donc là, on va essayer de passer. Donc on va pas ralentir cette fois. Va falloir y mettre un petit peu de vitesse pour pas rester bloqué. Parfait. Presque parfait. Ouais, non, pas parfait en fait. Pas parfait du tout. Oh, peut-être. Ouais, non. Attendez. Les amis, il y a peut-être moyen. Mais j'ai pas dit mon dernier mot.
Et là, on déclenche les propulseurs. Ça nous empêche peut-être de... Quoi? J'ai rien... Je vous jure, j'ai rien fait. Je vous jure, j'ai rien fait. C'est le jeu qui a fait ça, hein. Je vous jure, moi, j'ai rien fait. Allez, on va réessayer en faisant mieux cette fois. Pour le final. On va pas trop vite. On va pas trop vite. Genre, juste on passe, tu vois. Juste on reste pas bloqué. Voilà, là, on freine. Voilà, voilà, nickel. Là, on y va pleine balle. Le moteur serre. Reste droit. Voilà. Je crois que c'est... Pas mal. Propulseur. Oui! Let's go! Oh non, on a failli décoller. Aïe. L'avantage, c'est que là, il n'y a pas de doute. On sait qu'il n'y a plus personne. Que tout le monde n'est plus là. Genre, c'est terminé. Oh, c'est incroyable. Bon, les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à me mettre plein de suggestions de conneries que je pourrais faire sur ce jeu en commentaire. Et puis, bah écoutez, avant de se laisser, on va quand même tester une dernière chose. J'ai pris l'un de nos meilleurs éléments, comme vous le savez, pour ce genre de conneries. Par contre, pourquoi il y a les pneus mangés? Ah non, ok, bon, on avait un petit problème d'affichage de pneus. Pour le Slant of Death, vous allez voir, en gros, c'est encore, enfin, c'est moins long, donc je pense qu'on va prendre moins de vitesse, sauf qu'après, la remontée est beaucoup plus énervée, donc là, on peut vraiment partir sur la Lune. Mais sauf qu'en fait, vous allez voir, il y a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas la Lune, il y a une cible. Donc là, on va aller pleine balle. Genre, littéralement pleine balle, jusqu'à que le moteur serre. Voilà, petit à petit, le moteur va péter. S'il te plaît. Est-ce que le moteur... Voilà, là on a perdu le moteur. Là, oh putain, mais on prend encore plus de vitesse en fait, j'ai rien dit. On va passer au-dessus, je te jure, on va passer au-dessus. Oh non, la montée est trop rude. Oh, on va faire un strike. Oh, presque. Magnifique. Excellent. Ciao tout le monde.